Électricité, profitant de la crise, des fournisseurs ont fait exploser les prix et ont fait le dos rond. Depuis le 1er février 2024, les factures d'électricité en France ont augmenté, résultant de la levée des mesures gouvernementales prises pendant la crise énergétique. Selon une analyse de la start-up Light réalisée par Le Parisien le 5 avril 2024, cette crise a été profitable à certains fournisseurs avec des hausses significatives des tarifs. En 2021, le prix du mégawattheure a augmenté de 329,18%, tandis que la guerre entre la Russie et l'Ukraine en 2022 a exacerbé la situation. Des fournisseurs tels que EDF, Engie et Plom ont augmenté leurs tarifs, tandis que d'autres comme Home, Mint, Iberdrola et Mega ont même multiplié les leurs par 2, 3 ou 4 pour maximiser leurs gains. Cette politique a entraîné des faillites et des pertes de clients, mais certains fournisseurs ont pu revendre l'électricité non utilisée à des prix élevés. La commission de régulation de l'énergie cherche des solutions, envisageant une obligation prudentielle similaire à celle des banques ou des assurances.